Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, je vous le dis, j'en témoigne dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent conduire par le néant de leurs pensées. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Si du moins l'annonce et l'enseignement que vous avez reçu à son sujet s'accordent à la vérité qui est en Jésus. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien, corrompu par la convoitise qui l'entraîne dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainte conformité à la vérité.